Bonjour tout le monde, c'est encore moi, William, votre humble serviteur, cofondateur du groupe Investir en Afrique. La famille, avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser pour ce retard. Pourquoi ce retard? Ce retard est dû au fait que normalement, je devais tourner cette vidéo en présence du fournisseur, du producteur, du fabricant. En principe, il devait être à mes côtés. Vous voyez un peu. Mais sauf que il a été tellement occupé que à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas assister. C'est là qu'il m'a dit, écoute William, vas-y, je vais regarder la vidéo après. Et en ce moment, il est parmi vous en train de regarder cette vidéo. Vous voyez un peu. Il est parmi vous en train de regarder cette vidéo en ce moment. Donc, on va devoir faire ça comme ça. Il va regarder ça en direct comme vous. Donc, la famille, mais cela ne tient, puisque j'ai tous les éléments à ma portée, je vais tout simplement lancer ensemble. Ok, la famille, nous allons entrer en plein fouet dans le direct. La famille, cette semaine, je vais dire, à partir d'aujourd'hui, samedi, jusqu'à la semaine prochaine, ça sera la journée des livraisons. Je vais expédier beaucoup de téléphones. Je vais expédier des téléphones dans différents pays. Donc, voilà un peu quoi. Je vais expédier des téléphones dans pas mal de pays. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de A93 iPhone Pro Max. A93 iPhone Pro Max. Très bien. La famille, c'est vrai que j'ai déjà présenté ces vidéos, ces téléphones-ci dans leur ensemble. Mais sauf que j'ai l'impression qu'on n'avait pas fait le tour la dernière fois. C'est la raison pour laquelle je reviens avec ces vidéos aussi pour vous expliquer, pour vous réexpliquer autant pour moi tous les détails sur lesquels on n'avait pas statué la dernière fois. Donc, la famille, je pense qu'on va devoir commencer. On va prendre un téléphone. Vous voyez comment ce sont les téléphones qui sortent tout droit de l'usine. Et ce qui va vous plaire certainement dans ce téléphone-ci, c'est son autonomie, c'est-à-dire sa capacité à garder la charge, c'est sa rapidité, c'est sa durée au fait, sa durée. Et soyez-en tranquille parce que la garantie sur ce téléphone-ci est de 12 semaines. Le monsieur donne 12 semaines de garantie. Très bien. Je pense qu'on va devoir déballer, on va devoir... je prends un téléphone, voilà un téléphone neuf que je vais devoir déchirer. On va entrer dans les accessoires et puis on va voir ce qu'on n'avait pas eu à... je veux dire, les accessoires dont on n'avait pas eu à parler la dernière fois, nous allons parler de ces accessoires-là aujourd'hui. Donc, je pense que voilà un téléphone. Je commence déjà par déceler. Voilà, là je suis en train de déceler le téléphone en question. Là, je suis en train de déceler le téléphone. Là, je suis en train de déceler le téléphone en question. Comme vous pouvez le voir. Permettez-moi d'ouvrir le téléphone. On va y arriver. Très bien. Votre téléphone est là. Donc, disons que le téléphone est là. A93. Je vais. Voilà. J'ai allumé. Voilà le téléphone qui est allumé. Vous voyez un peu. Voilà le téléphone qui est allumé. Voilà le téléphone qui est allumé. Vous voyez. Vous voyez. À peine allumé, c'est déjà là. Voilà. C'est déjà là. C'est extrêmement rapide. Voilà le téléphone en question. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Voilà. On a déjà notre setting qui est là. On a notre Facebook qui est là. On a notre empreinte digitale. Voici l'empreinte digitale qui est là. On a
On a Facebook, on a YouTube. On a ce YouTube qui est là. On a notre Play Store qui est là. Si j'entre là, voilà. Vous voyez. Donc, on a toutes les applications qui sont déjà là. Voilà. Voilà le téléphone. Donc, on va entrer dans les accessoires. On va entrer dans les accessoires. Dans les accessoires. Je vais me lever un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Très bien. Voilà les accessoires du téléphone. Voici les deux chargeurs qui constituent un chargeur du téléphone, un chargeur de l'écouteur sans fil. Voilà les deux chargeurs. Voilà les deux chargeurs. Voilà les deux écouteurs. Un écouteur avec fil et un écouteur sans fil. Et un écouteur sans fil. Oui. Voilà. Très bien. On continue. Voilà. Voilà les chargeurs. Et ça, c'est le chargeur de l'écouteur sans fil. Ça. C'est pas ça. Ça, c'est la pochette du téléphone. Ça là, c'est la glace du téléphone. Et en parlant de glace, et ça c'est pour mettre votre carte SIM. Je profite de l'occasion pour vous faire savoir que c'est un téléphone à deux cartes SIM. Vous voyez, c'est un téléphone à deux cartes SIM. Très bien, je pense que je vais remettre ces accessoires. Je vais remettre ces accessoires-là à l'intérieur. Voici ces accessoires-là que je remets à l'intérieur. Bon, maintenant, ces accessoires, si le problème c'est. Je vais vous poser une question. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que ces accessoires, est-ce que c'est tous ces accessoires ici? Non, ce n'est pas tous ces accessoires ici-là. Comme accessoire, vous aviez également le power bank. Voici son power bank. Ça, c'est d'ailleurs l'élément sur lequel je voudrais un peu insister aujourd'hui parce que. Figurez-vous que la dernière fois, on n'avait pas parlé de cet élément-ci là. Ça, c'est le power, c'est son power bank. Mais sauf que ce power bank-ci ne vient pas à l'intérieur du téléphone. Ça ne vient pas à l'intérieur du téléphone. Pourquoi? Ça vient à part. Le power bank vient à part. Donc, voici comment le téléphone vient. Le téléphone vient comme ça. C'est ça qui fait un téléphone. Donc, c'est ça qui fait 50 000 quand vous prenez 5 téléphones, c'est ça qui fait 45 000 quand vous atteignez la barre des 10 téléphones, c'est ça qui fait 40 000 quand vous atteignez la barre des 20 téléphones. Donc c'est comme ça que ça vient en fait, c'est comme ça, c'est tous ces accessoires là. Et quand vous voulez vendre ces téléphones là, rien que ces accessoires, si vous voulez vendre ces accessoires là, accessoire par accessoire, vous allez vous rendre compte que sur les accessoires seulement, vous êtes déjà à 10 000. Parce que imaginez-vous à combien est-ce que vous allez vendre votre écouteur sans fil. Imaginez à combien vous allez vendre votre glace. Imaginez à combien vous allez vendre vos écouteurs avec fil. Et imaginez à combien vous allez vendre les deux chargeurs. Vous voyez bien que si on doit vendre pièce par pièce, rien que sur les accessoires ci-là, vous pouvez vous retrouver facilement à 10 000. Plus, vous êtes à plus de 10 000. Bien sûr, avec le power bank. Parce que le power bank, c'est un accessoire. Donc, moi, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça, la famille, pour vous faire comprendre, pour vous amener à comprendre l'opportunité qui est cachée derrière ces business. Il y a des opportunités que chacun devrait, des aventures, autant pour moi que chacun devrait essayer. Si tu peux essayer cette aventure-là, essaye. Vous voyez un peu, si vous pouvez essayer, si vous pouvez essayer cette aventure-là, la famille, essayez. Donc, très bien. Là, je vais essayer de continuer. Donc, ça, c'est le téléphone. Et là, je vais tout simplement éteindre le téléphone. Je vais tout simplement éteindre le téléphone. J'ai fait là. Et bien, ok. Voilà le téléphone que j'ai éteint.
Donc, voici ce qui fait un téléphone. C'est cet ensemble-là qui fait un téléphone. Dans cet ensemble-là, comme ça, là. Ici, là, ce sont les powerbanks. Ce sont ces powerbanks-là que vous voyez. Et ce qui est, qu'est-ce qui fait la particularité de ces powerbanks? La particularité de ces powerbanks-là, c'est que vous voyez comment c'est extrêmement petit. C'est extrêmement petit. Donc, tu peux facilement mettre ça dans la poche de ta chemise et tu branches ton téléphone dessus, tu utilises. Tu peux facilement mettre ça dans la poche de ton jean. Et tu utilises facilement, en fait. Tu utilises facilement. C'est ça qui fait vraiment la particularité avec ce powerbank. C'est un petit powerbank comme ça, mais très puissant. Vous comprenez un peu? C'est un petit powerbank, mais très puissant. Je vais un peu vous, je profite de l'occasion un peu pour vous montrer le powerbank que moi-même j'utilise. Ça, c'est mon powerbank personnel que j'utilise au quotidien. C'est un powerbank très, très puissant. Voilà. Regardez. Regardez le powerbank que j'utilise. Ça, c'est mon powerbank personnel. Vous voyez le powerbank, c'est là. Vous voyez que c'est le même powerbank. Vous voyez que c'est le même powerbank. Ça, c'est mon powerbank que j'utilise depuis des années. Hein. C'est un powerbank très puissant. Quand ce powerbank-ci est plein, tu peux utiliser ça pendant plus de, tu peux utiliser ça pendant plus de 2 jours. Quand c'est plein. C'est le même powerbank qui est là. Vous comprenez un peu? C'est le même powerbank. Ce powerbank-là, c'est le même powerbank qui est là. Donc, si tu peux arrêter ce powerbank-là avec ton téléphone, comme ça, tu marches, ton powerbank est là, ça charge. Donc, le monsieur a pensé à tout, en fait. Le fabricant a pensé à tout. Il a pensé à tout en fabriquant son téléphone. Il a tout prévu. Il a prévu des powerbanks pour que votre téléphone ne souffre de rien. Vous comprenez un peu. Donc, tout ça là, tout ça, la famille, ce sont des powerbanks. Tout ça, ce sont des powerbanks. Tout ça, ce sont des powerbanks. Voilà. Tout ça, ce sont des powerbanks. Regardez. Tout ça, ce sont des powerbanks. Et voici les téléphones ici. Donc, à partir de demain, il y a des gens qui ont commandé les téléphones. À partir de demain, tous ces téléphones-là seront distribués. Ça, ce n'est qu'une petite partie que j'ai exposée pour faire la vidéo avec. Je ne sais pas si vous voulez que j'ouvre encore un autre carton. Si j'ouvre, par exemple, la couleur bleue. Ouvre un peu la couleur bleue. Ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas. Ouvrons la couleur bleue. La couleur bleue. Ça, c'est la couleur bleue, par exemple. Et c'est aussi comme ça que les powerbanks ont plusieurs couleurs. Voici la couleur bleue. Ça, c'est la couleur bleue. Ça, c'est la couleur bleue. Vous avez vu, ça, c'est la couleur bleue. Ça, c'est la couleur bleue. Ah, là, j'ai allumé. Là, j'ai allumé. Passe aux accessoires. Ce sont les mêmes accessoires qui sont à l'intérieur. Les mêmes accessoires que vous connaissez là. Donc, voilà un autre téléphone que j'ai ouvert. Au fait, la famille, maintenant nous allons parler des techniques de vente. Ce que vous devriez savoir, c'est qu'il y a un quota que si vous atteignez, vous pouvez demander aux fabricants qu'ils mettent une autre marque. Par exemple, qu'ils mettent la marque, ils prêtent plutôt la marque Vivo. Le nom de la marque Vivo avec votre téléphone. Ça veut dire que c'est le même téléphone là, mais ils mettent plutôt marque Vivo. Vous pouvez demander qu'ils mettent la marque Oppo. Vous pouvez demander qu'ils mettent la marque Redmi dessus. Vous comprenez un peu. Mais pour ça, il y a un certain nombre de téléphones que vous devriez atteindre. En principe, c'est 50 téléphones pour faire ça. Vous devriez atteindre là-bas les 50 téléphones pour faire ça. Mais sauf que, si vous êtes l'un de mes abonnés, à 30 téléphones, je peux négocier qu'on vous donne une marque. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on retire le nom iPhone Pro Max, on met plutôt Redmi ou Oppo ou bien Vivo. Vraiment, je peux faire ça pour vous. Si vous atteignez déjà la barre de 30 téléphones, je peux négocier qu'on vous donne plutôt une autre marque, ou en tout cas Oppo, Redmi, comme vous voulez. Comme je vous le disais tantôt, je vous ai parlé de l'un de nos abonnés qui a pris plus de 100 téléphones avec deux marques différentes. Je peux vous dire, il a pris Redmi et Oppo. C'est l'un de mes abonnés qui a pris 100 téléphones. C'est un vendeur de téléphones. Il a pris 100 téléphones, mais avec deux marques différentes. Il a pris Redmi, il a pris Oppo. Vous comprenez un peu. Donc vous pouvez vraiment prendre la marque que vous voulez. Vous pouvez également prendre la marque, mais il y a un certain quota que vous devrez atteindre pour parler
pour quitter de cette marque ici à cette marque là, mais le même téléphone. Très bien. Je pense que nous allons évoluer. Je vous montre quelque chose. Dans cette boîte, la famille, se trouvait un certain nombre de choses que je voudrais vous expliquer. Permettez-moi de. Ok. Voilà. Regardez bien cette boîte. Regardez cette boîte. Je vous ai dit que le monsieur qui a ce téléphone-ci, il a vraiment tout prévu. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis que vous n'avez. Ce sont les derrière des échanges de ce téléphone-là. Donc, ça veut dire que si après, ton téléphone est déjà trop tombé, ça s'est trop cassé, vous voyez, tu peux tout simplement aller demander qu'on change, on mette une nouvelle coque. Tu peux aller demander qu'on change la coque. On met une nouvelle coque. Voici la coque. Ça là, ça va souvent venir dans vos téléphones. Ça va souvent venir avec vos téléphones. Cette nouvelle coque-ci là, ça va souvent venir avec vos téléphones. Vous voyez un peu? Je veux dire, cette coque de rechange là. Mais cette coque-ci là, ça va venir avec les téléphones de ceux qui vont atteindre là-bas des 30 téléphones. Donc quand vous prenez 30 téléphones, votre téléphone vient normalement et ça vient avec une coque comme ça là, avec la coque de rechange plus tard. Un peu comme les glaces de rechange là. Vous voyez que les glaces qui viennent dans la carte, vous voyez qu'il y a déjà une glace sur le téléphone. Et il y a une autre glace qui vient dans la boîte accompagnée des accessoires. Donc, la glace qui est dans la boîte là, c'est pas parce qu'il n'y a pas une glace dessus. Il y a déjà une glace dessus. C'est juste que après quelques mois, tu peux pouvoir changer les glaces peut-être parce que ton téléphone a trop tombé. Tu mets une autre glace. Très bien. Et ce qui atteint maintenant la barre des 30 téléphones, ça vient avec, avec cette pochette, avec cette coque comme ça là. Si vos téléphones sont plutôt en Oppo, ça veut dire que si on a plutôt mis la marque Oppo, ça veut dire que les glaces vont venir. Ça veut dire que ces coques de rechange, ça va venir en Oppo. Et respectivement, les couleurs que vous aviez prises. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Par exemple, ça, c'est le iPhone Pro Max. Maintenant, si j'essaye de. Bon, on va mettre ça de côté. Si je prends ceci. Voilà. Vous voyez, regardez. Si je pense ici, vous voyez que ça c'est Oppo. Ça c'est le monsieur qui a pris les téléphones, qui a pris les iPhones en Oppo là. Vous comprenez? Les iPhone Pro Max, mais à marque Oppo. Vous voyez un peu? Ça c'est comme ça l'un des. Parce que le monsieur, ses téléphones sont partis. Je voulais faire une vidéo avec ce téléphone, mais sauf qu'on a expédié ce téléphone. Mais j'ai quand même quelques coques qui sont restées. Je préfère vous montrer ces coques-là comme ça. Donc voilà ça. Ça c'est juste pour protéger la coque, pour éviter que la coque se salisse. Oui, ça c'est juste pour éviter que la coque, c'est savoir comment les coques viennent. Donc c'est comme ça, tu enlèves ça et tu obtiens ta coque. Oui, mais ça c'est à marque Oppo. Si je continue là, on va tomber sur Redmi. Si je continue, on va tomber sur Redmi. Non, ça c'est un iPhone Pro Max. Vous voyez? Si je continue là, ça c'est une autre couleur. Donc, mais c'est à partir de 30 téléphones que vous avez droit à ces coques-là. À cette coque-ci. Donc, ça vient avec cette plastique-là dessus pour que ça s'installe. Maintenant, quand ça arrive, vous enlevez tout simplement le plastique-là, vous jetez, le papier-ci, vous jetez, et puis vous utilisez votre coque. Je peux continuer. Vous le voyez. Je peux continuer. Vous voyez. Je remets. Donc.
Voilà. Donc, ça vient dans un petit tube comme ça, là, vous voyez. Et puis, c'est là. C'est tout simplement là, comme ça. C'est tout simplement là, comme ça. Donc, la famille Soumaté a travaillé avec d'autres designs de ce téléphone-ci-là. Quand je dis nous, ça veut dire le fournisseur, le producteur, il a déjà travaillé sur d'autres designs. Il va mixer, au fait. Vous comprenez un peu? Il va mixer pour pouvoir mixer les différentes formes de téléphones. Donc, ça sera toujours le A81, mais d'autres designs pour pouvoir mixer. Très bien. La famille, je pense que nous sommes à ce niveau maintenant. C'est la tablette. Vous vous rappelez de la tablette Samsung? La dernière fois qu'on faisait la vidéo, j'avais testé l'autre tablette du A93. Mais la tablette Samsung, celle-là, on avait voulu tester, mais sauf que la batterie de cette tablette-là, c'était. La batterie s'était déchargée, figurez-vous. La batterie s'était déchargée. Ouais. Voilà. C'est ça, le Samsung. La batterie s'était déchargée. J'espère que la batterie de celle-ci n'est pas. Ah, c'est le crayon. J'espère que la batterie n'est pas déchargée. Là. J'espère, mais c'est un truc quand même qui garde beaucoup de batterie. Oui. Là, j'ai allumé. Et comme je vous le disais tantôt, c'est. Je vais dire. Vous voyez, ça prend la carte mémoire. Voilà, carte mémoire. Je presse le dire. Ça prend la SIM carte. Ça prend une SIM carte. Ça prend aussi une carte mémoire. Comme vous le voyez. Très bien. Très bien. Ici, là, c'est pour lancer les appels. Ici, c'est pour lancer les appels. Voilà notre clavier qui est là. Voilà notre clavier qui est là. Je peux peut-être. Oui, voilà notre clavier. Oui. Voilà notre clavier qui est là. Ici. Vous voyez que. Vous composez le numéro que vous voulez et puis vous lancez votre appel. Voilà. J'ai lancé l'appel, mais sauf qu'il n'y a pas de puce à l'intérieur. Donc, du coup, cet appel-là ne peut pas aboutir. Donc, je peux tout simplement arrêter cet appel-là. Je ressors. Je peux aller où? Allons dans Play Store. Voilà Play Store. Voilà Play Store. On me dit que je ne peux pas paramétrer mon Play Store parce que ma connexion, je ne suis pas connecté à Internet. Voilà, bien sûr, je ne suis pas connecté. Raison pour laquelle je ne peux pas paramétrer. Mais si j'étais connecté, je pourrais paramétrer. Donc, je ressors tout simplement. Je ressors. Voilà. Il y a tellement des applications. La famille, il y a un truc que je voulais vous expliquer. Quand je dis que la tablette, c'est 40 000, s'il vous plaît, 40 000, c'est pour celui qui atteint la barre des 5 téléphones, des 5 tablettes. Celui qui atteint la barre des 5 tablettes, c'est 40 000. Mais celui qui prend une tablette, la tablette lui revient à 60 000. La tablette lui revient à 60 000 francs CFA. Vous comprenez un peu. 40 000, c'est celui qui prend une tablette. 40 000, c'est celui qui atteint la barre des 5 tablettes. Mais celui qui prend une tablette ou deux tablettes, c'est 60 000 francs CFA. C'est ce dont je n'ai pas bien expliqué peut-être la dernière fois. Donc, voilà. Voilà. Là, j'ai éteint. Et je remets. Là, je remets le crayon. Là, j'ai remis le crayon. Et la batterie est très efficace, je vous assure. J'ai refermé. Donc, la famille, c'est ce que je voulais vous faire part de cela. Donc, les téléphones viennent avec les powerbanks. Et d'ici peu, je ne sais pas quelle sera la date de sortie. Il y aura un nouveau style qu'on va mixer ce téléphone avec. Donc, dorénavant, vous aurez deux. Dorénavant, je ne sais pas quand il y a dorénavant, c'est dans un futur prochain. Je ne connais pas. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Mais je suis sûr que dorénavant, vous aurez deux styles
sur les A93, ça veut dire que vous pourriez, vous n'aurez pas seulement un style de téléphone, vous aurez deux designs différents, mais qui seront du A93, vous pouvez utiliser, vous pouvez maintenir le nom iPhone Pro Max, comme vous pouvez changer en Redmi ou bien en Oppo ou bien comme vous voulez. Donc vraiment, Redmi, Oppo, Vivo, voilà très bien, voilà les trois marques. Mais ça dépend du quota que vous allez atteindre. Ça dépend du quota. Et ça vient également avec les coques. Ça vient avec les coques, de téléphone. Où sont même ces coques-là? Très bien. Ça vient avec les coques. On vous livre avec les coques de rechange plus tard quand les autres coques seront usées. Mais ça dépend également du quota. Comme je vous le dis, il faut atteindre 50. Il faut atteindre un quota 30 pour bénéficier des coques. Chaque téléphone avec sa coque et les couleurs respectives, aux couleurs respectives et aux marques respectives, au nom des téléphones respectifs également. Au nom des téléphones respectifs également. Donc, la famille, je pense que nous allons clôturer cette vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Donc, demain, je vais procéder aux livraisons. Demain, il y aura beaucoup de livraisons. Et de mettre assez de likes et de vous abonner au maximum, s'il vous plaît, abonnez-vous. Car je répète que YouTube me fait comprendre que 90% des personnes qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma page. S'il vous plaît, la famille, abonnez-vous. On a lancé une séance, on a lancé une campagne d'abonnement. S'il vous plaît, rendez, faites de cette campagne-là un succès total. Abonnez-vous massivement à la chaîne. S'il te plaît, si tu me regardes et que tu n'étais pas encore abonné, pour me rendre hommage, abonne-toi. Abonne-toi à cette page et ça va faire que cette page soit reconnu et considéré par l'algorithme YouTube. Très bien. La famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo une fois de plus. Prenez soin de vous. Je vous adore. Et pour tous ceux qui veulent bénéficier de mon expertise, pour tous ceux qui veulent bénéficier de mon accompagnement, n'hésitez pas à me contacter à Nibos. Prenez mon téléphone qui est le +86 132 57 06 01 13. +86 132 57 06 01 13. Très bien. On se prend à bientôt, je vous adore la famille.